Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de cartes expliqué, un petit tour de cartes, deux petits paquets avec quelques cartes en main, vraiment très sympa, très facile à réaliser. Allez, place tout de suite à la démo. Allez, on se retrouve pour la démo, pour ce tour vraiment très sympa qui se fait uniquement avec 6 cartes. Donc 6 cartes présentées, ici j'ai pris 6 cartes noires à points, mais vous aurez pu prendre des dames, des valets, ce que vous voulez. Le but du tour est très simple, vous faites choisir une carte à votre spectateur vraiment librement, aucun forçage, il peut prendre la carte qu'il désire. Pour l'exemple ici, on va prendre par exemple le 6 de trèfle, on va dire. Alors le 6 de trèfle qu'on va laisser sur la table, bien en vue, je ne manipule pas. Et parmi les 6 cartes que j'avais en main, donc les 6 cartes à dos rouges, ça serait fort quand même que le spectateur ait choisi la seule carte à dos bleu. Incroyable, non? Pour les explications, on va avoir besoin de 3 cartes à dos bleu et 3 cartes à dos rouge. Au sujet des valeurs, peu importe, vous prenez ce qui vous arrange. Donc vous pourrez prendre par exemple des 6, des 8, histoire que les cartes se ressemblent. Ou par exemple des figures, c'est vous qui voyez. L'important, c'est d'avoir 3 cartes rouges et 3 cartes à dos bleu. Par la suite, vous allez tout simplement intercaler les cartes. Donc vous allez mettre une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge. Et vous êtes prêt. Donc au final, vous avez 6 cartes intercalées entre bleu et rouge. Vous demandez au spectateur de toucher une carte parmi les 6 que vous présentez en main comme ceci. Très important, vous faites toucher la carte et non la faites tirer. Vraiment, il doit toucher uniquement la carte. Imaginons que le spectateur touche le 6 de pique. Avec la main droite, vous allez couper au 6 de pique et le laisser sur la table comme ceci. De cette manière, les deux cartes qui vous restent en main, vous allez les basculer sous les autres. Et c'est fini. A partir de là, vous allez réaliser un comptage optique au final, qui va consister à montrer que vous avez uniquement que des cartes à dos bleu. Comment on procède? Tout simplement, vous allez tout simplement dégager avec le pouce la première carte, et là vous flashez les dos, comme ceci, et vous montrez du bleu. Et en réalité, vous allez, au lieu de poser ce dos-ci, vous allez tout simplement dégager cette carte, qui est en réalité une carte rouge. Donc ça donne ceci, on flash, et on dégage les deux, comme ceci. Et on recommence, on prend, on flash, et on pose. Et de cette manière, on a l'impression de montrer 6 cartes bleues. Et en claquant des doigts, on peut montrer que celle-ci est rouge. Je vous le refais une dernière fois, regardez bien. Donc les cartes sont préparées, intercalées, rouge, bleu. On éventaille, on fait choisir une carte. Imaginons ici le 8 de pique ou le 9 de trèfle. On dégage le 9 de trèfle, on bascule en dessous. On dit, étonnant, tu as choisi une carte parmi les 6 cartes qui sont à dos rouge. La seule carte que tu as choisie est à dos bleu. Donc voilà, bien entendu, vous ne pouvez pas laisser l'ensemble des cartes à l'examen car il verra qu'il y a forcément 3 rouges et 3 bleus. Mais bon, c'est un petit tour très sympa, une petite expérience d'influence, on va dire, où vous allez prévoir en fait le choix de la carte du spectateur. Vous le présentez de cette manière et ça passera très bien. Le spectateur ne voudra pas forcément voir les cartes. Et puis si vous enchaînez sur un autre tour, ça passera très 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 bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tour dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu tout en bas de la vidéo qui fait toujours plaisir et qui me montre que vous aimez ce que je fais et qui me motive à continuer mes vidéos chaque semaine. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat et Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Là on réfléchit, vous réfléchissez, oui, non, vous vous souvenez? Oui, bleu, hein, bleu. Et non, perdu, c'est rouge.